Écoute, t'es vraiment fier de son rôle en tant que garde pour les Donor Wall. La mission de montrer le Donor Wall aux autres, là. Il met un peu en colère. Nous autres, les Muggles, on adore Echo, fait qu'il va comprendre avec le temps. Pourquoi est-ce que le mur a besoin de protection? Le mur des Edenons a été protégé par les tribus de Summoner d'Echo pour des générations. Quelqu'un peut utiliser de la semaine magique aussi, peut-être que je peux aller la chercher. Est-ce que c'est vrai? Ah, embarqué. Le mur des Edenons est palissette. Mais des Adolons et une collection de peintures. La tribu des Summoners ont peinturé toutes les Adolons qu'ils ont trouvées pendant leur recherche. Tous ces Adolons-là existent? Je sais pas où. Une place sacrée pour la tribu des Summoners. Les Dico viennent ici tous les jours pour prier puis pour brûler l'incense pour ses ancêtres. C'est quoi celle-là? Là, Thomas. C'est Bahamut. Qu'est-ce qu'il y a, Dagger? Ah, tu vas récupérer, regarde, t'as pas. Je vais regarder la murale un petit peu plus. Ok. On va sûr que ça, c'est Ramu. Tribu des Summoners honore la nature. Ils ont appelé ce monde-là Gaïa. Considère les Adolons comme les gardiens de la planète. On va essayer de devenir un avec la nature à travers la recherche de la magie du Summon. La tribu a migré ici à cette location-là il y a 500 ans, mais à cette heure. Je connais pas la majorité des Adolons qui sont ici. Faire de quoi? Echo's Kitchen 2, ben. Ton appât est pas bon. Pâle, cheveux blancs, des vêtements étranges. Zan m'a dit à propos de toi, t'es Kuja. Non, Zan, cherche pas un homme qui s'appelle Kuja. Moi, je m'appelle Quina. Ah, t'as chassé Mog sur le chemin de Comte des Petits, hein? Je suis Echo. Mog sort pas pendant qu'il est là. Je pas en haut. Ça sent bas. Hey, mange rien. La chair est trop basse. Tu peux cuisiner? C'est mon destin de devenir un gourmand. On va demander de l'aide. Je sais combien de personnes vivent dans le village. Ah, ils sont 11. Ah. Ah, il y en a pas assez. Il y en a pas assez pour moi. La chaleur est juste assez bonne pour faire de la bouffe pour 9 personnes. Ah, c'est possible pour en faire pour tout le monde. Non! T'enseigner une leçon très importante en cuisine. Faisant toujours plus que t'en as besoin. Peut-être qu'il y aura plus de monde qui va se montrer. Peut-être que tes invités ont vraiment faim. C'est pas assez de bouffe pour moi. Je vais pas cuisiner si je peux pas manger. Faut attraper plus de poissons. Capro? L'étrange fait de bouillir par rendu là. Bien sûr, augmenter la chaleur. Cette cuisinette là va pas chauffer plus que ça. Qu'est-ce qu'il y en a de Vivi? Ah, c'est vrai, c'est un mage noir. Il peut utiliser de la magie du feu. J'espère qu'on peut attraper beaucoup de poissons délicieux. Et là, mon Windows qui me dit: Hey, t'as-tu besoin de manger? Ben, pas vraiment, non?
Je rentre, tu vas faire de quoi? Non. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Echo puis son peuple ont protégé le mur des Edelons pendant des générations. Nous autres, des Muggles, on aide aussi à Echo à protéger le mur. On dommage le pas, là. Qui sont tous les autres de sa tribu? Je peux pas te dire. Non, t'as pas, j'ai vu quelque chose. T'as juste imaginé, là. Ah ah! On s'est donc sauvé le petit coffre caché, hein? J'étais pas sûr que j'avais vu de quoi, mais. Que pao! Que papao! Hein, qu'est-ce qui se passe? Waouh, ça l'a vraiment avoir! Que papao! Et lui, Zidane. C'est toi, t'en as fait vraiment beaucoup. Puis il m'a aidé un peu aussi. Hein, on va manger. Hein, comment que c'est? Ah, la bouillie est bonne. Poisson juste avec. Hey, écoute, où sont tous les autres summoners? Est-ce qu'ils se cachent sous sol ou quelque chose? Sous sol? Ouais. Ils sont tous dans le sous-sol en train de dormir le sommeil éternel. Qu'est-ce que. Je suis le dernier survivant de ma tribu. J'ai vécu avec les Muggles depuis que mon grand-père est mort l'année passée. Ah, je suis désolé. Ah, inquiète pas. Je suis vraiment content de ça. Il y a 10 ans, ce qui en est 4 ans avant que je sois né. Un désastre naturel a fait ce village. Même les survivants ont souffert pas mal. Et ma mère puis mon père ont tombé en amour puis ont une famille. Puis je me souviens pas de quoi ils ont l'air parce qu'ils sont morts quand ils étaient jeunes, par exemple. Ben, je vois. Je suis comme une belle héroïne en détresse, tu penses pas? Hein? Sais-tu pourquoi je suis ici dans ce village-là? C'est parce que c'était pour te rencontrer, Zdan, mon étoile filante. Hein, c'est une ligne venant de la pièce de Lord Avalon, Wishing Upon a Star. Comment tu peux savoir? Non, maudit. Parce que Echo peut connaître cette pièce-là. Ça vient du Mist, du continent de Mist. Effectivement. Merci. Merci, Echo. C'était vraiment bon. Hein? Tu veux pas manger ma bouffe tous les jours? Hein, peut-être. Mais je vais te demander une coupe d'eau d'affaires. Peut-être. T'es tellement rude de toi. Aide-moi à nettoyer la table. Apporte le pot dans la cuisine. Bon. Pas contente. C'est un autre or. Tellement de vieux livres, ça. Je pense que celle-là, c'est le livre à propos de la pièce de théâtre. Tu peux-tu croire que c'est une première édition? J'ai juste vu ça dans la librairie du château. Comment elle peut avoir des livres qui ont plus que 500 ans? Ben, ils ont un toit. C'était pas juste Dagger, Zidane est vraiment lent lui aussi. C'est juste on s'en va nulle part vraiment vite. Ah, ben, c'est une bonne chose pour moi. Quelque chose sur ma face? Ça c'est Zidane, tu peux te laisser ça? Eh oui. Hey, écoute, sais-tu quelque chose à propos du Ifatri? Qu'est-ce qu'il y a avec le Ifatri? On va aller là. C'est scellé qu'il y en a de long, tu peux pas rentrer. Scellé, est-ce que c'est toi qui l'as scellé, Echo? Ouais, ben. Il est quand même assez intelligent à propos de certaines affaires. C'est arrivé avant que je sois né, mais ils ont scellé. Ok. C'est arrivé avant que je sois né, mais ils ont scellé un édolon qui n'ont pas réussi à s'amener dans l'Elfatri. C'est une coutume de sceller un édolon
C'est une coutume de sceller un nez de long manqué quand on le summon. Un nez de long, t'as pas réussi à summoner. Mais on utilise le pouvoir d'un autre élément pour le sceller. Comprends-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont pour sceller un nez de long. Ah, ok. Ça veut dire que le nez de long qu'on a scellé était tellement puissant que. Il voulait en utiliser un autre pour le trapper à l'intérieur. C'est là que le pouvoir d'un autre élément, hein? Cette personne n'arrête pas de me dire de rappeler plus de poissons qu'il faut. Stan, j'ai fait une grande découverte. Les poissons de site sont différents des poissons du Constant Mist. Ah, c'est bien. Kerman Coffee. Bon, que ça fait de bon envie, ça. C'est un item qu'on a ici, ou c'est un... Il continue de brûler les ailes pour nous autres? Quoi? Non! C'est pas comme si on a fait quelque chose de mal. Ben, je suis pas mal sûr qu'on peut s'en occuper par nous-mêmes. Il y en a pas question, t'es-tu fou? Bon. Non, je pense pas qu'il y a aucun livre à propos du summoning. Par là, Vivi, ouais. Wow! Je vais prendre un peu de sommeil avant que vous en ayez. Ah ouais, allez donc. Oui. T'es mieux de te coucher avant qu'on parte demain. J'essaie d'arrêter de m'inquiéter à propos des affaires, mais je suis juste pas capable. Tu m'as dit de pas trop penser, mais. Parce qu'on est différents, Vivi. Pas besoin de faire tout de la même manière, tu sais. Je vais arrêter, je vais pas me sentir de même. Je vais plus me sentir de même. Qu'est-ce qui va arriver si je continue à me sentir de même, Vivi? Ah, à la fin, ça finit en deux choix bien simples. Soit que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas. On va passer avec tous les problèmes qu'il y a dans le monde, qu'il y aurait plus de réponses. C'est pas correct. C'est la manière que les choses sont. Le choix est à toi, Stan. Je protège le monde avec lequel que je suis. Je m'en fous si je peux ou pas. C'est ça que je crois. Ça veille. J'avais raison. Zan est l'homme pour moi. Il a raison. Ou tu le fais ou tu le fais pas. Mon choix est décidé. Je vais y aller avec Zan. Tu auras un truc pour te débarrasser de... arrêter de penser à des choses? Ok. C'est un rituel éternel entre des amis mâles. Brisette, Vivi. On va s'en aller ensemble. Tu sens pas bien de te laisser aller en dessous des étoiles? Ah, il t'a droit de pisser. Waouh. Je vais revenir ici. Quand j'ai vu le mur des ailes longs la première fois, j'avais peur. Quand j'étais à l'intérieur, j'ai vu les murales, ils m'ont calmé. Je vais en voir plus. Eh oui, on va revenir une fois qu'on va checker les flatteries. Merci. Il faut revenir pour venir chercher Queenette de toute façon. On peut pas juste la laisser ici. Est-ce que t'as rien ici pour Echo? Echo a juste 6 ans. Hein? Elle peut avoir l'air, elle peut essayer d'agir tough, mais je pense qu'elle est vraiment seule. J'ai pas vu aujourd'hui. Ah, t'as raison. Capo, capo, capo. Bon. Echo!
Tu peux pas briser le ciel sur les fratries encore, là, on est de long. Viens avec nous autres. Est-ce que tu veux pas que je vienne? Bien sûr que je veux que tu viennes. C'est ce que je pensais. Ok, je vais rejoindre ton équipe pour un bout. Puis d'ailleurs, j'espère qu'on va avoir du fun. Que le fratrie est passé le chemin du grand du petit la montagne. Et là, let's go. Pas t'es tellement gentil avec tout le monde, Zidane. Hein? Qu'est-ce que tu faisais par ça? Oublie, oublie ça. Je pense que t'es en colère. Tu penses toi aussi? S'il vous plaît, jetez un coup d'œil sur Lady Echo. Venez nous retrouver si jamais il y a du trouble. Ben ouais. Puis, t'as-tu trouvé une solution à ton problème? Pas vraiment. Je vais continuer. Good! Littéralement. En plus, ces racines-là, faut penser aux racines qu'il y avait justement. Quand on avait passé à travers la caverne de glace. Il y avait des racines de même. Nous êtes-tu les racines? On se retrouve à suivre d'autres racines encore. Je sais pas si ça a un rapport avec ça. Peut-être. Ah. C'est ça que le bonhomme. T'sais, là, je touche à rien, là. Ok. Mais le bonhomme a tendance à vouloir bouger, partir à bouger tout seul dans une direction comme si je tiendrais une direction, mais je tiens rien. Non, c'est pas par là. Oh! Des trolls! Une solution! Tu fieras, les trolls d'habitude ça aime pas ça le feu! C'est bien weird comme caméra, ça. Ici, on s'en sort vite, pareil. Contre-attaque. Il a manqué sa shot. Encore. Sérieux. Je vais faire ça sur mes deux healers. On va brûler de bord. Ah, il y en a de mort. Et là, la caméra de même. Même mauvaise caméra pour montrer l'action. Merde. C'est tellement weird. C'est bien. Carte de troll. Le cœur de dagger est tellement fort. Ça me heal de 700 quasiment sur une personne. Sinon plus. Pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Quoi cette fois-là? On va se donner ça à cœur joie. Super. Je
attaquer le troll. Hein. C'est vergé lui-même. Ça va tuer ça? Ouais. XP, c'est bien, locomotion. Ouais, c'est quoi qui donnait locomotion? On a tout pris. Bien. On level up, t'es en train de monter. On prend ça les 7. Ça aussi, ok. Vraiment rien d'autre qu'on peut apprendre. Ah, on peut apprendre Panacea avec ça. On va prendre Protec. La somnette pour Antibody. On va prendre Cure, je pense que ça, ça donne Cure aussi. Non, c'est ça là qui donne Cure. Beaucoup d'affaires à réapprendre d'elle. Body temp. On va save 7. L'ancien tri de l'ancien pas tri mais ancien arbre de la vie du mist ici. Cette place là doit vraiment être la source de, du mist. Est-ce que t'es correct? Je suis correct. Wow, c'est quoi ça? Ça c'était le seal. J'aurais pas de blesser, mais est-ce que t'es correct? Ouais, ça a pas fait mal. Je sais qu'à un moment donné, ils vont se dire genre, voyons, t'as-tu fini de... Pas d'islam. Y'a juste toi qui peux briser ça. Ça, c'est pas étonnant que les nains de contre des petits appellent cette place-là le sanctuaire. T'as pas dit que t'as utilisé le pouvoir d'un édon pour saisir cette place-là? Incroyable quand tu vas vous briser. Ah, demandez où est Edon de revenir. La conne des summoners nous permet de communiquer avec les édolons puis les animaux. Je vais briser le saut maintenant. Regarde bien ça. Boum boum boum! Boum boum boum! Alors, il mène nos esprits. Je t'appelle. Réponds à mon appel. Que ton nom soit. Peu importe tout ce que ton nom peut être. J'ai reçu un rubis. Fini, on peut rentrer à l'intérieur, c'est ça. Merci. Est-ce que c'était ça le spell pour briser le saut? Nope! Ce que je fais, c'est focusser mes pensées sur mon sur ma corne. Pourquoi tu faisais? C'était juste pour le show. Le sort est pas mal plus long, mais là, Delon m'a dit de me dépêcher. J'ai pas entendu rien. Ok, let's go. On a pris un rubis. Oui. Oh! Va prendre Carbuncle puis Reflect. Moi j'imagine qu'elle peut apprendre les deux. Effectivement. Ok. Il va falloir y penser mais que on gagne nos habiletés. Ça c'est ces plantes là. Il y a des monstres qui vivent dans le mist set.
fleurs là. En fait, il y a des fleurs tout le long. Bizarre. Holy shit, qu'est-ce que c'est ça? J'ai trop peur. C'est gros en esti. Oh shit. Chance qu'on a stone up. Dégâts à tout le monde. On va aller à soft. À 273. Regardez en stand-by ou quoi qu'il a fait un autre shot de Crasuel Petrifier. Ou il peut juste graver aussi, là. Ça marche aussi. Deux rapins. Et deux level up. Puis un Pyridot. Des fleurs tout le long. Ça va être important pour quelque chose certain. Hein? Qu'est-ce que ça va être ça, voilà? Un autre! Slap! T'as qu'il grandit là. Ouais, il y a deux puis une attaque, c'est en masse. Mandragora. Tu vas le trouver. Donnez une lettre à Mochi. Une lettre de Mogrio. Merci. Un flow qui s'appelait. Un garçon qui s'appelait Vivi est venu au village des Black Mage. Ses yeux étaient tellement tristes. Comme s'il y avait le poids du monde en entier sur ses épaules, Kipo. Il disait bonne chance, mais je pouvais pas, Kipo. Je suis de ton côté, c'est Vivi. Ah. Et. Les yeux tristes, le poids de du monde. Est-ce que c'est vraiment pesant, Kipo? Prends un save parce que j'ai l'impression qu'on s'en vient vers quelque chose de raide. En fait, je pense que je vais prendre une tente. Peut-être voir genre les MP de Vivi puis sont vraiment bas, fait que... aussi bien. Récupérer. Ben, quasiment au complet, c'est bien. Oh, le shit, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est des zombies. Christy. Ils ont quasiment tué. Ça va être tué, hein? Yes. Rain, puis antibody, puis cure. C'est correct, le reste, je pense. Ouais.
elle va prendre MP plus 10%, tu sais. L'armante. Ah, c'est Kra pour prendre l'habilité up et l'armante. Ça va aider tout, tout simplement. D'autres choses à toi aussi. Body temp, antibody. Ok.